Bible m'intrigue. Que tu prennes rapidement ta Bible. I want you to take fastly the Bible. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 17. Verse 17. Je voudrais aussi demander à tous ceux qui me regardent. I would like to ask all people watching me. Depuis les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. From the social network, that may God bless you. 1 Samuel chapitre 17 verset 40. 1 Samuel. Verset 40 et 43. On ne lit pas le 41 et le 42. On lit le 40 et on vient lire automatiquement le 43. Quelqu'un After peut lire pour moi s'il vous plaît? Lis la parole avec respect. Amen. 1 Samuel 17 verset 40. Verset 40. Il prit en main son bâton. Quelqu'un dit il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière de berger. Et les mit dans sa gibecière de berger. Et dans sa poche. Et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Il s'avança contre le Philistin. Maman, tu peux reprendre encore le verset? Il prit en main son bâton. Quelqu'un dit son bâton. His staff. Mm-hmm. Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Dis à quelqu'un 5 pierres polies. 5 smooth stones. Mm-hmm. Et les mit dans sa gibecière de berger. Quelqu'un dit à ton voisin sa gibecière de berger. A shepherd's bag. Mm-hmm. Et dans sa poche. Et dans sa poche. Mm-hmm. Puis sa fronde à la main. Dis à quelqu'un sa fronde à la main. Slings was in his hands. Mm-hmm. Il s'avança contre le Philistin. Verset 43. Le Philistin dit à David. Suivez très bien ce qui se passe. La Bible dit le Philistin dit à David. Suis-je un chien? Suis-je un chien? Pour que tu viennes à moi, mm-hmm, avec des bâtons. Maman, tu peux reprendre la phrase là. Suis-je un chien? Suis-je un chien? Pour que tu viennes à moi. Pour que tu viennes à moi. Avec des bâtons. Avec quoi? Des bâtons. Avec quoi? Des bâtons. Avec quoi? Des bâtons. Avec quoi? Des bâtons. Des bâtons. Relis le verset 40. Il prit en main son bâton. Arrête-toi là. Relis la phrase du verset 43. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Y a-t-il une nuance par ici? Qu'est-ce qui se passe par là? David a pris combien de bâtons? Un seul. Un bâton. Et Goliath a vu combien de bâtons? Des bâtons. Des bâtons. Donc plusieurs bâtons. Qu'est-ce qui s'est passé? Multiplication. Le bâton de David s'est multiplié. Continue maman. Verset 43. Et après l'avoir maudit. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort la parole du Seigneur? Can we clap the word of God? Est-ce que tu peux acclamer Dieu fort ce soir? Can you clap God strongly? Bible dit the Bible say que il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Was a man calling Goliath. Je prêche ce soir sur le thème I'm preaching this afternoon on the theme. Faire fléchir nos ennemis. Make burn our enemy. Dis à ton voisin tes ennemis fléchiront ce soir. Tell your neighbor your enemies will bend. Non, touche le dit ils fléchiront ce soir. Touch him. La Bible dit qu'il y avait un peuple du nom de Israël. Et tout le monde connaît l'histoire de David contre Goliath. The people from Israel and the story David against Et la Bible Goliath. Dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Goliath. And the Bible says was a man calling Goliath. Goliath était un ressortissant du peuple qu'on appelle les Philistins. Goliath was a child of people calling Philistines. Et la Bible dit qu'un jour, And the Bible says one day, les Philistins vont venir provoquer l'armée d'Israël. We come to provoke the army of Israel. Ils vont s'avancer devant Israël. And they will move forward in front Et la Bible of Israel. Dit que parmi l'armée des Philistins, And the Bible says among the army of Israel, il y a un parmi eux qui s'est détaché du lot. There is one among them who came out from the Il s'appelait Goliath. And his name was Goliath. Quand les chrétiens parlent de Goliath, souvent je ris. When Christians are talking about Goliath, sometimes I laugh. Goliath était un homme d'une carrure et d'une grandeur. Goliath was a man with a weight. Goliath pouvait faire la taille de deux clôtures superposées. And Goliath can make the weight of two great halls. Non, quand les gens parlent de Goliath, ils s'amusent. Goliath
Il est vaincu à cause de Jésus. Sinon, Goliath, ce n'est pas amusement. Goliath is beaten because of Jesus. Like Goliath is not a joke. Si tu vois Goliath de loin, tu recules. If you see Goliath from very far, you came back. Vous voyez comme les basketteurs sont grands de taille. You see like the basket player, non, they are very high. Ils sont encore petits devant Goliath. They are smallest in front of Goliath. Goliath était gaillard. Goliath was very white. Habilité à la guerre. Ability to war. Habitué à tuer. And was used to kill. Goliath était un homme qui n'a jamais perdu de guerre. Was a man who never lose war. Depuis sa naissance. Since childhood. Jusqu'à ce jour. Until that day. Lorsqu'il s'est présenté devant Israël. When he presented himself in front of Israel. Goliath n'avait jamais perdu de guerre. Goliath never lose war. Goliath était plus qu'un marines. Goliath was more than nervous. Lui seul, il peut tuer 1000 personnes. Only him, he can kill 1000 people. Et la Bible dit, les Philistins étaient reconnus et leur renommée s'était accrue à cause de la force de Goliath. The Bible said the Philistines were very well known because of the strength of Goliath. Alors c'est que si Goliath s'approche d'un pays, le pays est obligé de reculer. Until the point that if Goliath entered in a country, they parce can't go back. Parce qu'il faisait peur. Because he was very afraidful. Et la Bible dit Goliath va s'avancer contre l'armée d'Israël. And the Bible says Goliath will move forward. Il va dire à l'armée d'Israël. And we say to the army of Israel. Je ne veux pas ce soir une bataille entre nous en groupe. I don't want a fight in group. Je veux simplifier la guerre. I want to simplify the war. Cherchez parmi vous. Look among you. Quelqu'un qui est fort someone dans les batailles. Someone who is strong in fighting. Qu'il se détache du lot. That came out from the group. Et qu'il vienne me combattre. That come to fight me. Moi Goliath. Me Goliath. Moi l'homme fort. Me the strong man. De ta famille. Of your family. Moi l'esprit de mort. Me the spirit of death. Moi l'esprit de la sorcellerie. The spirit of witchcraft. Je m'appelle Goliath. My name is Goliath. Je me présente devant la famille telle. I present myself devant in front la of famille this family. Qu'on a. The family devant corner. La famille, je ne sais pas quel est ton nom de famille. I don't know your family name. Il dit, cherchez parmi vous quelqu'un. But he said, find among you someone. Qui se détache et qui vient me combattre. That came out from the group and fight me. S'il réussit à me faire tomber. If he succeed to make me down. Alors moi et mon peuple, nous leur serons soumis. Then me and my people will submit to them. Mais si par malheur. But if by bad things. Comme d'habitude. Like usually, je réussis à le faire mourir. I succeed to kill him. Israël sera esclave de vous. Israel will be slave. J'attends votre candidat. I'm waiting for your candidate. La Bible dit. The Bible says. Pendant 40 jours et 40 nuits. Within 40 days and 40 nights. Goliath vient devant l'armée et parle le matin à 6 heures. Goliath came in front of the army until morning. C'est Goliath qui réveille les Israélites. It means Goliath waking up the Israelites. Vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un pour me battre. You didn't find somebody to fight me? Israël était dans le silence total. And Israel were quiet totally. Ils reviennent le soir. And we came back in the night. Mais vous n'avez pas encore trouvé un homme pour me battre. You didn't find somebody to beat me? L'esprit de Jézabel en France arrive le matin. The spirit of Jezebel in France came in the morning. Est-ce qu'il y a un prophète dans ce pays pour me battre? There is a prophet in this country to fight me. Tout le monde garde le silence. And everybody quiet. La Bible dit pendant 40 jours et 40 nuits. The Bible say within 40 days and 40 nights. Pourquoi 40? Why 40? Parce que le chiffre 40 est le chiffre de l'équilibre total. Because the number 40 is the number of the une balance. Une chaise est solide et équilibrée parce qu'elle a quatre pieds. A chair is very solid and well balanced because it has four. Donc c'est-à-dire que Goliath est venu dans son équilibre. It means Goliath came in his well balance. Goliath savait sur quoi il était assis. Goliath knew very well in what he is sitting. Qu'est-ce qui était derrière lui? What was behind him? Lorsqu'il est venu se présenter devant Israël. When he came and showed himself in front of Israel. Le chiffre 40 parle de la maturité. And the number 40 is talking about un maturity. Un homme devient mature lorsqu'il a 40. A man of God mature when he is 40. Un homme peut se présenter comme chef d'État lorsqu'il a 40 ans. A man of God can be head of state. L'administration impose à tout homme qui veut diriger dans les hautes fonctions d'avoir au préalable 40 ans.
the administration. Parce que à 40 ans, 40 years, because at this on age, considère que cet homme a atteint sa maturité. They consider that that man, c'est-à-dire Goliath a attaqué Israël dans son temps de maturité. It means that Goliath attacked Israel in its time of maturity. Quand Israël était dans son plein temps de jeûne et de prière, when où ils ont dit, fighting, on est prêts, c'est maintenant Goliath est apparu. And they say we are ready. It's that time that Goliath came. Mais la Bible dit, but the Bible say, pendant 40 jours et 40 nuits, within 40 days and 40 nights, personne a eu le culot, nobody have the will, le courage, nobody have the courage, de se détacher du lot, to come out of from the group, et de se présenter devant Goliath, and to show himself in front of Goliath. Dans l'armée, il y avait les généraux. In the army, there were generals. Ce jour-là, le général était chez lui à la maison. And that day, the general was at home. Le capitaine était chez lui à la maison. The captain was at home in his house. Les caporal étaient chez eux à la maison. All the caporal was at home. Les gendarmes et les militaires étaient chez eux à la maison. All the military was at home. Aucune personne. Nobody. Aucune autorité. No, none authority. A eu le courage. Have the courage. De pointer le doigt. To put the finger. Et de se présenter. And to present himself. Lorsque Goliath fait un pas en avant, when Goliath make one step forward, Israël fait un pas en arrière. Israel make one step back. Lorsque la mort fait un pas en avant, when the death make one step forward, ton jeûne et ta prière faisait un pas en arrière. Your fasting and prayer make one pendant step 40 around. Jours et 40 nuits. Within 40 days and 40 nights. Mais est-ce que je peux parler ce soir? But can I speak this? Non, est-ce que je peux aggraver ce soir? And can I go deeper? Non, il y avait un enfant qui avait entre 16 et 17 ans. And was a child between 16 and 17 l'enfant years old. Était berger dans la forêt. And this child was a shepherd il in the bush. Il gardait le troupeau de son père. He was guarding the shepherd of il his father. Il avait reçu une fois en passant par là à tuer l'ours et le lion. And he succeeded one day to kill the mais bears cet enfant and lions. N'avait jamais fait d'école en armement ni en attaque en stratégie de guerre. But he had never been in school. Cet enfant s'occupait de garder les moutons et les brebis. But this child was just guarding the shepherd. Un jour, and one day, continue de jouer s'il te plaît, j'aime ton son. Un continue jour, to play and one day, son père va lui dire, his father will say, mon petit, je t'envoie sur le champ de bataille. My son, I send you to pour the fight voir field. Comment tes frères se portent. To see how your brothers la are there. Première chose que je veux dire. And the third thing that I want to say. C'est que tous ceux qui ont obéi à l'ordre de leur père sont devenus des grands. Is that all people obey to the other? David n'est pas allé sur le champ de bataille de lui-même. David didn't be there by his mais il a été envoyé par son père. But he has been seen by his father. Je veux parler ce soir à quelqu'un. Est-ce I que tu as un père? This night with somebody. Do you have a father? Est-ce que tu as quelqu'un qui est établi sur toi? Do you have somebody established on you? Qui te donne des instructions que tu respectes et honores? Who gave you instructions that you respect and honor? David arrive sur le champ de bataille. And David arrives there in the battlefield. Il voit un homme grand de taille qui commence à gesticuler et à bavarder. And he sees a man very high talking rubbish. David a dit, mais qui est cet incirconcis? And David said, who is that incirconcised? Qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Who had the courage to insult the army of the living God? Il est allé voir Saül. And he go to see Saul. Il dit, moi je peux le faire tomber. And he said, I can bend him. Mais quelle est ma récompense? But what a gift? Saül dit, si tu réussis à le faire tomber, so if you succeed to bend him, tu deviendras mon gendre. You will be my in-law. Tu épouseras ma fille. You will marry my daughter. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir. What I want to tell somebody this afternoon. Les batailles qui ne sont pas suivies de récompenses ne sont pas des batailles divines. The fight without gift are not divine. Non. Dieu récompense tous ceux qui mènent des batailles et les gagnent. God give prizes to everybody après fighting. Ce soir, after this afternoon, la bataille que tu vas mener ce soir te donnera d'avoir des récompenses. The fight that you are going to fight will give you prizes. La Bible dit David va accepter l'offre. The Bible says David gonna accept. Goliath se présente. Goliath show himself. Là, je suis encore dans mon introduction. Je suis en train de démarrer le moteur. Il s'avance devant Goliath. He came in front of Goliath. Quand Goliath a fait un pas en arrière. When en Goliath avant, make one step forward. L'Israël a fait un pas en arrière. Israel make one step back.
Mais David s'est détaché, dit moi j'avance contre Goliath. But David came out from the group and said I'm moving. Je suis venu dire ce soir à une personne. I came this afternoon to tell somebody. Dans chaque famille. That in each family. Il y a des gens et des David. There is people and David. Où là où son père et sa mère ont fait un pas en arrière. Where your father and mother make one. Lui il ne fera pas un pas en arrière, il fera un pas en avant. Dis amen. Forward. Non, je suis venu dire ce soir à quelqu'un. Then I'm here this afternoon to là où ton père a fait un pas en arrière. Where your father make one step là où back, ton parent a échoué. Where your parent make toi, fail, tu n'échoueras pas. You are not going to fail. Toi, tu ne seras pas dans l'humiliation. You are not going to be là où tes parents ont été humiliés. Where your parent là où ils ont échoué. Toi, tu n'échoueras pas. You are not going to là où ils ont fait un pas en arrière. Toi, tu feras un pas en avant. Quelqu'un m'encourage à prêcher ce soir. Somebody encourage me. La Bible dit, and the Bible says, il va prendre un bâton, they're going to take a staff, 5 pieds dans le torrent, and five stones, sa gibecière et sa fronde à la main, and his shepherd bag, et il va s'avancer contre le Philistin. And who he came in front of the Philistine. Dès qu'il s'avance, when he's moving, Goliath va remarquer que cet homme était entouré de plusieurs bâtons. Goliath will notice that he was surrounded by a lot of staves. Il dit, mais mon petit, est-ce que tu me vois pour un chien? And he said, little boy, are you taking me for God? Pour que tu viennes à moi avec des bâtons. To come with me with la stones. La première des choses que je veux dire ce soir. The first thing that I want to say this afternoon. C'est que David a tellement minimisé Goliath qu'il n'a même pas pris d'épée. That David so minimized Goliath that he didn't take sword. Parce que c'est quand on part tuer un oiseau qu'on prend un bâton et des pierres. Because when we are going to kill a bird that we take sword. Avec une fronde à la main. With a shovel bag. C'est quand il s'agit de tuer un oiseau qui est sur un arbre. When you are going to kill a bird on David the tree. A regardé Goliath, il a dit non, il ne mérite même pas que je prenne une épée. And David looked at Goliath and said, it doesn't deserve. Tu sais pourquoi tu as échoué dans les guerres? Do you know why you failed in war? Parce que tu as accordé tellement de crédit à ces guerres que tu as perdu ta bataille. Because you accord so many important. Apprends à minimiser la bataille. Learn to minimize. Apprends à minimiser la mort. Learn to minimize. Lorsqu'elle s'approche de toi, regarde-la très bien dans les yeux et dis-lui, tu es trop petit devant moi. Tell him you are too small. Lorsque le diable te rappelle la montagne des problèmes, rappelle-lui combien de fois ton nom, le nom de ton Dieu est si grand. When the devil record you all your problems, record him the name il of your Lord. Il a minimisé la bataille. And minimize the fight. Il a pris un bâton et des pierres. And he take a staff with il stones. S'avance contre le Philistin. He came in front of the Philistine. La Bible dit quand Goliath le voit de loin. The Bible says when Goliath il dit est-ce que je suis un chien? Am I a dog? Pour que tu m'attaques avec des bâtons. To come and attack me with staves. Vous savez, le bâton est le symbole du pouvoir. You know, the staff is a symbol of power. Le bâton symbolise l'autorité. It's a symbol of authority. Le bâton symbolise la puissance. The staff is a symbol of power. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. David était un enfant de Dieu. David was a child of God. Il avait un bâton. He have a staff. Donc il avait un niveau dans le spirituel. Then he have a level spiritually. Parce que le bâton symbolise la domination. Because the staff is domination. Mais la guerre contre Goliath était trop supérieure à David. But the war against Goliath was too superior. Si David partait en guerre avec ce seul bâton, il perdrait la victoire. If David was with the only staff, he will lose. Alors David va invoquer le bâton de ses pères. Then David are going to call the staves. Or, dans la Bible, tous les patriarches avaient des bâtons. All the patriarchs had staves. Abraham avait un bâton. Abraham have one. Jacob avait un bâton. Jacob have a staff. Tous les grands de la Bible avaient des bâtons, même Isaac. All the greats in the Bible. Moïse avait un bâton. Moses have a staff. Alors quand David s'approche de Goliath, when David approached, il ne part pas seul. Don't go alone. Mais il part avec l'accord de ses pères. With the gift. Il part avec le bâton de ses pères. With the staff of his father. Quand Goliath le voit de loin, when Goliath, Goliath remarque que David n'est pas venu seul. No time, sir, je suis là ce soir pour te dire, tu as échoué à des guerres. Parce que tu es parti seul. Tu es échoué à des batailles. Parce que tu es allé seul. Avec ton jeûne et ta prière. Tu n'étais pas associé à un père. Tu n'as pas associé le bâton d'un père. Tu n'as pas associé le bâton d'un prophète. Tu n'as pas associé l'accord d'un père. Voici pourquoi tu as échoué dans des batailles. Mais ce soir, je viens comme un bâton pour m'associer à toi et pour te dire,
enfermé. Ce soir, la maladie, la mort dans ta famille ne te verra plus toi, mais elle me verra. Elle verra mon père. Elle verra le père de mon père. Elle verra le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce soir, je dis à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de mes pères, rentre en alliance avec toi. Tu n'iras plus jamais seul dans la guerre, mais tu iras avec la grâce de tes pères. Tu iras avec le bâton de tes pères. Tu iras avec l'accord de tes pères. Quelqu'un me dit amen. Somebody say amen. En France, il y a des gens qui pensent. In France, there is people thinking. Que avec sa vie de jeûne et de prière, il y a toutes les batailles qu'il peut régler. That with his life of fasting and prayer, he can win. Il y a une classe de démons où il te faut un père. There is a class of demon that you need a father. Même quand Jésus était devant la croix, even when Jesus Christ was il a dit père, cross, he said, Father, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, if you can put very far this cup, parce qu'il a su que la montagne qui était devant lui était trop élevée. Because he knew that this mountain was too high. Il y a des montagnes qui sont souvent trop élevées que toi. There is a mountain very high than il you. Il te faut être à côté d'un père. You need to be near il a father. Il te faut multiplier tes bâtons. You need to multiply il your il te staff. Faut avoir l'accord de plusieurs bâtons. To have the stamp pour gagner des batailles. To win. Je déclare ce soir. I declare, que au nom de Jésus-Christ, tu ne partiras plus jamais seul en guerre. Je dis à partir de ce soir, les esprits de ta famille, les esprits de la mort, les démons qui ont gouverné ta vie, qui ont siégé dans ta famille, ils ne vont plus jamais te contrôler. Parce que ce soir, le Dieu du ciel ouvert va apparaître dans leur vie et va te libérer ce soir. Je déclare ce soir et je dis à une personne que ton bâton est insuffisant. Connecte-toi ce soir au bâton des pères. Je prends à témoin le bâton de l'homme de Dieu, le bâton des hommes de Dieu, associé à mon bâton. Et nous partons en guerre contre les ennemis de ta famille. Et nous déclarons ce soir que Dieu te venge. Celui qui se tient debout et qui me dit amen fort, je venge ses ennemis. Il va aller prendre 5 pierres dans le torrent. And going to take 5 stones. Et les mettre dans sa gibecière. And put it in his shepherd bags. Il mettra une pierre dans sa gibecière. And he will put one stone in his et les 4 autres pierres dans sa poche. And the other 4 stones quand in his tu lis pocket. L'histoire, tu vois que David n'a utilisé qu'une seule pierre. You will say that David only used one stone. Mais où sont passées les 4 autres pierres? But where are the 4 other stones? Ces 4 pierres étaient dans sa poche. Was in his pocket. Il les avait gardés au cas où il raterait la tête de Goliath. He keep it at the time that he will miss Goliath. C'est ce que j'appelle that what I call la réserve de Dieu. The reserve of God. Dans chaque famille, in each family, il y a des pierres que Dieu présente. There are stones that God shows. Et il y a d'autres pierres que Dieu cache dans sa poche. But there are some stones that God hides. Est-ce que je peux commencer à parler? Can I beg it? Dans chaque génération, in each generation, il y a des aigles que Dieu présente. There are eagles that mais God il y a d'autres aigles que Dieu cache. But there are some eagles that Jésus God a dit à Pierre, Jesus told Peter, Pierre, tu es une pierre. You are a stone. Et sur cette pierre, under that stone, je bâtirai mon église. I will build my church. Et en un pied de quatre, and in one pillar, il est écrit four, que nous sommes des pierres vivantes. He's writing that we are donc living quand la Bible parle de pierre, when God is talking la about Bible parle de toi stone, et de moi. About you and me. En vérité, trophy. David a mis les quatre pierres dans sa poche. David put the four et il a utilisé qu'une seule pierre. Only used one stone. Les quatre pierres sont la réserve de Dieu. Was the c'est ce que j'appelle les pièces de réchange de l'Éternel. Why I call the là où quelqu'un sera défaillant, il va utiliser l'autre pierre qu'il a caché. Comme Vasti. Vasti pensait qu'elle était tout. Mais le jour où elle a déconné, Dieu a sorti de sa poche Esther. God put from his et il a présenté à l'humanité. Je vais dire à une personne, somebody, tu as comme l'impression que personne ne te voit. You think that nobody see you. Tu as comme l'impression you think that que personne ne te regarde. That nobody is looking at you. Dans ta famille, in your family, dans ta famille, in your family, on regarde d'autres personnes. They look to other people's.
Dans chaque famille, il y a des sommités. In each family, there is a sommity. Il y a peut-être une personne qui se joue être l'autorité totale. There is people, a person who wants parce to be qu'il a total un authority. Loyer, parce qu'il a un salaire plus haut que le tien. Because they have a pay more. Parce qu'il a des avantages plus élevés que le tien. Because they have more advantages. Il se croit être la pierre angulaire. They think that is the stone, the local mais c'est qu'il a oublié. But what he forgets. Il y a des pierres que Dieu ne montre pas comme ça. There is stone that God didn't il y a des pierres like que Dieu cache d'abord. God hides. Lorsque l'ennemi a fini de montrer toutes ses cartes, when the enemy alors il a parlé avec d'autres cards, pierres. And then God j'ai comme l'impression dans mon esprit qu'il y a ce soir des pierres que Dieu avait cachées. That there is stone that God il y a des gens ici there are people here qui n'étaient pas vus par leur famille comme s'ils avaient été oubliés. Like mais en vérité, ils n'étaient pas oubliés. Tu étais une pierre que Dieu avait cachée dans sa poche. Tu es une pierre que Dieu avait rangée. Pour qu'au temps favorable, au moment opportun, qu'il te fasse sortir pour te présenter à l'humanité. Je déclare ce soir, après ce message, il y a quelqu'un qui va sortir de la cachette de Dieu. Oh, tu ne comprends pas ce soir. Je parle à une femme, je parle à un homme. Il y a quelqu'un ce soir que Dieu va présenter à l'humanité. Je vois dans mon esprit qu'il y a une personne ce soir qui était dans la poche de Dieu, mais que Dieu va présenter. Quelqu'un me dit amen. Somebody tell me amen. Il prit les pierres dans l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Then he took the stone in water. La Bible montre que toutes choses passeront, mais sa parole ne passera jamais. Everything will pass, but his word never. Tout passera. Everything will mais pass. La parole de Dieu ne passera jamais. But the word of God never passed. David a pu dire, ta parole est une épée à double tranchant. Your word is a sword. Ta parole est une source d'eau intarissable. And your word is a loving water. Ta never parole crying. A le pouvoir de créer. And your word have a power to ce soir, je déclare à quelqu'un, then this afternoon I declare connecte-toi somebody. À la parole. Be connected to the word. Connecte-toi au Rhema. Be connected to the Rhema. Laisse le Lagos. Leave the parce Lagos. Que dans la parole, il y a le Lagos et le Rhema. Because in the word, there is le Lagos c'est la Rhema. Parole écrite. And the Lagos is the mais word le Rhema, c'est la parole parlée. But the Rhema le Rhema, the c'est la parole révélée. Is the revelated le Rhema, c'est la parole expliquée. Is the word le Rhema, c'est la parole décortiquée. Is the word well je suis dit, je suis là dit, je suis là pour dire à quelqu'un ce soir qu'il y a une parole qui est sur ta destinée. There is a word il y a un Rhema que Dieu a révélé sur toi. There is a that God ce soir, ce Rhema va s'accomplir. Rhema je suis en train de voir un mariage qui est fait, qui était sur ta tête, mais qui n'avait pas encore trouvé d'accomplissement, mais ce Rhema va s'accomplir. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Very strongly. David prend la pierre dans l'eau. Then David took the stone in water. Dans le livre de Apocalypse chapitre 16, in the book of Revelation 16, le verset 5, the verse 5, Jean a dit et j'entendis l'ange des eaux qui disait. The Bible, John said, I hear the angel of water saying. Il y a un ange qui est dans les eaux. There is an angel in the toute water. Entité sur la terre est gouvernée par des anges. All the entity on the earth governed by angels. En allant prendre les pierres dans l'eau, il est allé activer l'ange des eaux. When he gone to take the stone in water, he activated. Parce que la faiblesse de Goliath c'était l'eau. Because the weak point of Goliath was water. Voici pourquoi il n'a pas pris les pierres qui étaient par terre. That's why he didn't take the stone on the earth. Mais il a pris les pierres qui étaient dans les eaux. But the stone on water. La pierre qui fait tomber les géants, ce n'est pas des pierres qu'on prend sur le sol. The stone making falling down the giants. C'est des pierres qu'on prend dans l'eau. What we talk, tu deviendras une pierre tranchante pour Goliath. You will be a parce que tu es imbibé dans la parole de Dieu. Because you are parce que tu es plongé dans les Écritures. Because you are tu seras une arme tranchante pour l'ennemi. And you will be, you quelqu'un will be ne a dit weapon. Pas amen pendant que je parle. Somebody don't say amen when I'm talking. Il allait activer l'ange des eaux. He going to activate it. Ça fera partie d'un autre message. That will be part of another message. Mais là où je veux parler ce soir. But where I want to talk this afternoon. Je pose une question à quelqu'un. I just ask a question to somebody. Quand David a pris la pierre dans l'eau. When David took the stone in water. La pierre était sèche ou mouillée? That stone was dry or the elle water. Était comment? Pourquoi? Why? Parce que étant prise dans les eaux.
Because I've been taken from et la Bible water. Dit, il prend la pierre et il la met dans sa gibecière. And the Bible says he took the stone and he put it in his shepherd bag. Je pose une deuxième question. I ask a second question. La gibecière de David était faite de quelle peau d'animal? The shepherd bag of David was making, but what une kind peau douce of animal? Et une peau de lion. Soft and lion. Parce que David avait tué deux animaux. Because David killed two animals. Dans la forêt. In forest. Mais comme personne ne l'a vu. But nobody seen pour que tout le monde croit en lui. To believe in him. Il a fait la, de sorte que la gibecière soit faite de deux peaux d'animal. He make sure that the shepherd bag will be promène dans les rues, lorsqu'on verra la peau de la gibecière, qu'on puisse dire David a vraiment tué when le lion. People will say that il a vraiment tué David le lion. Really killed the lion and donc the la gibecière de David était faite de deux peaux d'animaux. Then the shepherd bag of David une peau douce et une peau douce et une peau de lion. One of bears and one of lion. Maintenant écoutez-moi très bien. Then listen to me very well. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Lorsque une peau d'animal est mouillé. When a skin of animal are dropping in water. Pour ceux qui ont grandi au village comme moi, lorsque une peau d'animal est mouillée, ça sent. Ça dégage une odeur. It smells. D'accord? Amen. Ça dégage quelle odeur? What kind of smell? Ça dégage l'odeur de l'animal. The smell of si the animal. Si tu sens une peau de poulet, if la peau du poulet dégage l'odeur du poulet. Chicken, is the smell of the chicken. Nos mamans qui vendent le poisson en Afrique, our mother, lorsqu'elles finissent fish, le boulot qu'elles viennent à la maison, when she finish and came home, elles ont beau se laver les mains, she will wash, mais wash, tu wash, flaires take a bath, une odeur de poisson sur eux. About you, parce qu'elle était have, en contact avec le poisson. Because she was in contact with fish. Le boucher qui vend la viande, il a une odeur de viande sur lui. The bushmeat seller have a smell. Entre parenthèses, je veux dire à quelqu'un, in parenthèses, I want to celui say qui somebody, se connecte à Dieu aura l'odeur de Dieu. Somebody connected with God, we have the smell of God. Je n'ai pas entendu un amen. I didn't hear amen. Parce que pourquoi quand tu es connecté à l'esprit des eaux, tu as un problème de célibat. That's why when you are connected to the spirit of water, you are singleness problem. Parce que l'odeur du célibat t'accompagne. Because the smell of singleness follows you. Tu pourras être très belle de figure et de taille. So beautiful. Mais l'odeur est sur toi. But the smell is on je prêcherai plus tard sur le mystère des odeurs. I will preach later. Pourquoi Isaac a senti l'odeur de Jacob? Why Isaac smelled? Et il a dit ton odeur est l'odeur d'un champ que Dieu a béni. And he said, "Your smell is the smell of the farm that God." Quelqu'un dit amen. Somebody say amen. Et la Bible dit. And the Bible says, la gibecière the shepherd bag de David, of David, étant sur son dos, was in his back. Goliath, David a pris une pierre. To one stone. Et il l'a mis dans sa gibecière. And he put it in his shepherd bag. Comme la pierre était mouillée. What when the stone was dropped? L'eau qui était sur la pierre est rentrée en contact avec la peau de la gibecière. The water that was on the stone, on est d'accord? With the shepherd bag skin. On est d'accord? Amen. L'eau qui était sur la pierre the water est rentrée en contact avec la peau de la gibecière. Enter in contact with the skin of the qu'est-ce qui va se passer? And what gonna happen? Il y a deux odeurs qui vont commencer à se dégager de la gibecière. Two smells. Parce que l'eau qui était sur la pierre est étant rentrée en contact avec la gibecière, il y a une odeur qui est sortie. And the other smell. Une odeur douce et une odeur de lion. The other smelled of bears and lion. Et cette odeur s'est mise autour de la pierre. And that smell was around the stone. Et David reprend la pierre, il la met dans sa fronde. And David take it and put it in his slang. Il tourne la fronde et il lance la pierre. Then he throw the slang and throw it. Qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Je vais expliquer pourquoi Goliath n'a pas pu esquiver la pierre. I want to explain why Goliath didn't en vérité, Goliath n'a pas vu une pierre. Truthfully, Goliath didn't see a stone. Plus la pierre s'approchait, la pierre a disparu. And more, the stone was coming, it disappeared. Et quand Goliath regarde devant, il ne voit plus une pierre, mais il voit une tête de lion qui apparaît, et une tête douce qui sort devant lui. A head of lion and bears. Parce que l'odeur de la gibecière s'est mise autour de la pierre. Because et la pierre est partie avec deux esprits.
and the stone gone with two spirits. La pierre partait deux entités. Gone with two entities. La pierre partait deux anges. With two angels. Un esprit de lion. With the spirit of lion. Un esprit d'ours. And the spirit of bears. Donc plus la pierre s'approchait, then more the stone la was pierre a disparu. The stone disappeared. Pour laisser apparaître un lion qui venait. To let appear et un ours qui apparaît. And a bears coming. Goliath a été incapable d'esquiver. Then he was unable. C'est pour cela que la pierre a tapé son front. That's why the stone bit. Et la Bible dit que Goliath s'est écroulé. And the Bible says Goliath. Je vais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell somebody this. Tu as échoué à des guerres. You fell in war. Parce que tu es parti en guerre avec une odeur d'agneau. Because you went there with the smell of shepherd. Mais à partir de ce soir. But from this. Savez, l'agneau, tu le prends, tu le tues, il va pleurer, il meurt. You know the shepherd, you will take it, kill him. He will mais le lion ne se laisse pas faire. But the lion don't let himself à be like partir this. De ce soir, from this afternoon, une odeur de lion va t'apparaître. A smell of lion will appear to you. Et tu seras environné d'une odeur douce et de lion. And you will be arriving by a smell qui vont of lion. Aller au devant de tes ennemis. They will be in front of your enemies. Ils n'auront pas le courage d'esquiver. They won't have the courage. La pierre va se transformer en lion. The stone will gonna et se changer en ours. Lion and bears. Quelqu'un me dit amen. Somebody say amen. Je vais aller rapidement pour qu'on prie ce soir. I will be fast for us to pray this afternoon. La Bible dit, the Bible say, lorsque la pierre est allée taper le front de Goliath. When the stone beat the forehead of Goliath. Ma fille approche. My daughter come. Arrête-toi là. Stand here. Viens, arrête-toi là. Come and stand there. La pierre est allée face à face de moi. Et la pierre a tapé le front de Goliath. Beat his forehead. On est d'accord? La Bible dit Goliath tomba face contre terre. The Bible say Goliath down faces. Tombe en te mettant à genoux et puis écroule-toi. Burning down and scrout yourself. Amen. Amen. Lève-toi ma fille. Stand up. Lorsque quelqu'un tombe par l'avant, when somebody il ne tombe down, pas d'un coup. He don't il s'écroule like d'abord sur ses genoux. But he scrawls himself first in his knees. Avant de comment dire en français, avant de s'affaisser sur le sol. Before putting laying down. Mais quand tu lis bien la Bible, but when you read well the Bible, la pierre est allée taper le front de Goliath. The stone beat the forehead of Goliath. Dans la normale des choses. In the normal of things. Goliath ne devait pas tomber par devant. Goliath never lay down. Mais tomber par derrière. But parce que selon la loi de la cinétique qu'on a vu en troisième, the law of the cinetics that we saw, le mouvement school, de Goliath devait être dans le même mouvement que la pierre. The movement of Goliath will be in the same movement. Si je la tape par le front ce soir, if I beat her like this, elle ne tombera jamais par devant. She will never be laying mais elle sera down projetée front, vers l'arrière. She will be projected parce que le mouvement back de ma main lui impose de faire ce tel mouvement. Because the movement of my hand imposed to her. Mais la Bible dit, but the Bible say, lorsque David a lancé la pierre, when David threw avec la stone, fronde, la pierre a tapé le front de Goliath. The stone beat the forehead. Elle est même Goliath rentrée dans la tête de Goliath. It enter into. Elle a brisé le casque de Goliath. And broke everything. Et Goliath s'est écroulé par l'avant. And Goliath scrolled down. Ce n'est pas normal. In front, that not je normal. Je veux parler sur ça avant qu'on ne commence à prier. This is not normal. David Goliath va tomber par devant. He will be laying il down va d'abord front fléchir les genoux. He will kneel down avant de s'affaisser par terre. Before laying. Pourquoi? Completely. Why? Parce que il est écrit dans les évangiles. Because it's writing in the scriptures. Que c'est pourquoi? That why? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. God gave him the name above all names. Afin que au nom de Jésus. That the name of Jesus. Tout genou fléchira. All legs. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. En vérité, Goliath avait tellement insulté l'armée de Dieu. Goliath avait tellement insulté le Dieu vivant. Insult so much the living God. Que Goliath ne pouvait pas mourir aussi facilement. That Goliath can die so easily. Goliath devait d'abord reconnaître le Dieu de David. First. No, the God of David, en fléchissant les genoux by kneeling down, avant de mourir dying,
C'est pour cela que je vais dire ce soir à une personne. Les ennemis de ta vie qui t'ont troublé ne partiront pas aussi facilement. Ils devront d'abord fléchir les genoux avant de partir. Ceux qui t'ont fait du mal devront fléchir les genoux. Ceux qui t'ont criblé de balles devront fléchir les genoux. Non, je ne crois pas. I don't believe. Aux délivrances qui partent aussi facilement. To deliverance that so celui easily. Qui t'a humilié devra d'abord venir se mettre à genoux devant toi. People humiliating you will kneel. Reconnaître down in front que ton Dieu est le véritable. And to recognize that your God is the et real. Tu verras la gloire de Dieu. And you will see the glory of God. Je me sens retenu par la prédication. And I feel myself contained. Tiens-toi.